j'y crois pas. Vous m'avez vraiment coupé les cheveux. Mais vous êtes complètement malade. Je vous avais bien dit que j'étais la plus fine lame de la forêt des orphelins. Je sais pas qu'est-ce qui me retient de... Saperlotte, je crois que je me suis encore trompé. C'est qui encore cela? Je me présente, Aléa, je suis une chasseuse. Les prêtres de Foncalvi m'ont offert leur hospitalité. Et vos amis m'ont sauvée. J'ai une dette envers vous. Sauvée? Mais de quoi? Théodran, j'ai une mauvaise nouvelle. Des hommes à noir nous ont pris le bouquin. Ils étaient très nombreux. Nous avons dû fuir en l'abandonnant. Non, c'est pas vrai, Alexis. Tu auras assez grimoire. Ça, j'en ai ras la cascade pour me trouver. Ne vous en faites pas. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Aïe, 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 j'en peux plus, j'en peux plus. Alors, quelle nouvelle au sujet du grimoire? Ils ne l'ont plus. Ils se le sont fait voler. Par... vous savez qui? Parfait. Nous n'avons plus besoin de ce satané pirate. Débarrasse-toi de lui. Mais vous voulez dire oui, que... Oui, mets fin à sa misérable vie. Qu'il ne gêne plus nos projets. Alors, quoi de prévu pour la suite? Enfin, Alexis, qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens tendu comme une arbalète. C'est cette histoire de grimoire là, j'ai l'impression d'avoir été laissé sur le carreau. Calme-toi, Alexis. Qu'est-ce qu'elle a, Robin des Bois? Robin des quoi? Tu me cherches? Oh, et quoi, arrêtez! Alexis, je te ne reconnais pas là. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Ton sang-froid, tout ce que je t'ai appris, mon meilleur élève. Cette histoire de grimoire là, je m'en veux de l'avoir laissé partir. Et puis à cause de moi, on rentrera jamais chez nous et. Mais non! Voilà. Rien ne sert de ressasser le passé, Alexis. Il faut se tourner vers l'avenir et préparer notre contre-attaque. Savannah a fort bien raison. Il faut suivre les étoiles. Elles me font signe, elles me parlent, elles me font respirer, elles me font vivre, elles me font pleurer, elles me font rire. Bon, vous allez suivre Hagen, le rejoindre dans sa quête. Et prenez la direction nord du mont Espinouse. Et toi, Savannah, retrouve nos amis et prépare la rébellion. On se retrouve à l'abbaye de Foncalvi pour la bataille finale. En tout cas, je vous ai bien tartiné la tronche l'autre jour. C'est vrai, mais si mon frère n'était pas apparu, l'issue du combat aurait été bien différente. Ouais, il est vrai que votre habileté m'a laissé quoi? Vous a laissé quoi? Oui. Non, mais vous m'a laissé quoi? De quoi, quoi? Bref, de toute façon, je n'y arriverai jamais à récupérer mon frère. Mais j'y pense. Peut-être que vous et vos amis, vous pourriez m'aider? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider, nous devons déjà aider nos amis à rentrer chez eux. D'ailleurs, qu'est-il arrivé à votre frère? Un nécromancien s'est emparé de lui et le contrôle grâce à un masque. Mais seul, je ne peux rien. Tu n'es pas seul, Hagen. Il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas digne du grand gardien des forêts. Nous t'accompagnerons et nous vaincrons ce nécromancien.